Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 16e épisode du Let's Play sur God of War 3. Dans l'épisode précédent, on a libéré Pandore, et là on doit remonter les chaînes qu'il y a au niveau des juges d'Hadès. Je me suis dit, tiens, je peux peut-être plonger là-dessous, il y a peut-être un truc à prendre, mais apparemment, non. Donc là, on avait vu qu'il y avait un petit truc... Apparemment le cristal s'est régénéré. Il y a peut-être autre chose à faire. On va attendre, on va rester une fois, sinon on va essayer d'avancer. En plus il y a plein de coffres, ouais, le cristal il se régénère, donc je pense qu'il y a peut-être autre chose à faire avant. Ouais, ok. On a vu les petits coffres là. Déjà on va ouvrir celui-là aussi. Je vais peut-être plutôt récupérer de la magie, parce que de la vie j'en ai pas mal. Et en général, on a beaucoup plus de coffres de... En général, il y a beaucoup plus de coffres de vie que des coffres de magie. Que j'avais pas de voir. Et arrête, petite sirène. Là-bas, il y a un coffre, et donc je pense que je vais avoir toutes les armes à fond. Juge, Minos et Acardamande, juge au cœur, ça on avait vu dans le troisième épisode, si je dis pas de bêtises. Là, il y en a d'autres qui vont apparaître, probablement. Il
là, on avait vu ce truc là, j'étais pas passé. Un mot glouboyé par une jeune arme. Les feux, les hurlements, j'avais tellement peur. Pourquoi père nous a-t-il pas protégé? Les juges pensent que je dois aller à l'Élysée et que j'y serai bien. Ma famille me manque. Puissance max, j'ai débloqué toutes les armes. Il y a encore un petit cristal bleu en dessous. C'est là que je pensais avoir oublié des choses quand je disais mince, j'ai oublié des trucs ou des objets là où il y a les trois rois, enfin les trois bonhommes. Par contre, j'ai quand même pris pas mal de dégâts. Là voilà, il fallait que je libère ça. Puis on les entend râler là, les petits monstres. Ouais, mais poussez-vous de là. On va pas s'embêter. Non, non, tu ne mesureras pas. On va faire une petite sauvegarde vite fait. Je sais pas combien de points de sauvegarde d'enregistrer, mais dans cette phase là. Alors excuse moi si je meurs avant. Enfin, je dis dans cette phase là, mais il y a beaucoup de phases dans lesquelles je suis pas très doué. Pas de vue ton but, Spartiate. Souviens-toi pourquoi tu es allé si loin.
Prépare-toi, Spartiate. Tu sais ce que tu dois faire. Je vais élever le labyrinthe. Je la ramènerai d'où elle vient. Ouais, je viens de sauvegarder, mais bon. On va faire une petite sauvegarde, ça coûte rien. Les trois juges. Je crois que c'était ça. Hein. 11h28, ça doit être ça. Là on voit un peu les zones qu'on a vues au tout début. Là c'est quand on escaladait avec Gaïa au début du jeu. Ah bah et là c'est la zone avec les flammes. S'embêter, on va refaire une sauvegarde ici. Voilà, je la vois, Kratos.
Dans les ténèbres, les flammes de l'espoir nous libéreront. Pandore ! Non ! Tu sais pourquoi je suis ici ? Tu m'as amené ici pour que je le fasse ! Je trouverai un autre moyen ! Non, Kratos, il n'existe pas d'autre moyen ! Laisse-moi y aller ! Non, fillette ! Je ne suis pas une enfant ! Tu me fais mal ! Kratos, à l'aide ! Relâche-la, Zeus ! Ton obsession pour cette chose devient quelque peu gênante, mon fils. Relâche la fille, Zeus ! Ne confonds pas cette créature, fabriquée par Héphaïstos, avec ta chair et ton sang. Mais c'est peut-être déjà le cas, Spartiate. La quête que tu mènes, ton obstination pathétique à tenter d'expier le meurtre de ta famille, n'a provoqué que le chaos sur l'Olympe. Regarde autour de toi ce que tu as créé. Je ne vois que ce que je suis venu détruire. Ma plus grande erreur a été d'avoir pitié de toi, Kratos. Tout comme la pitié que tu éprouves pour cette créature sera ta plus grande erreur. Elle n'a rien à voir avec ça! Elle a au contraire tout à voir avec ça! Lâche-la! Comme tu le voudras. On recouvre un peu de sang. Pénétrer dans la flamme. C'est la raison pour laquelle j'ai été créée. Tu le sais. S'il te plaît,
silence. Kratos, tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Ne l'écoute pas, Kratos. Pour une fois dans ta vie pathétique, ne sois pas lâche. Ne l'abandonne pas comme tu as abandonné ta famille. Pandore. Après tous ces sacrifices, ce n'est encore qu'un échec retentissant. La boîte est vide. Pourquoi donc ? La porte là-bas est ouverte, apparemment. Juste être sûr. Bon, là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et bah, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas combien de temps il reste de jeu, mais il doit rester une demi-heure, 20 minutes. Je préfère faire un épisode un peu plus court et puis être tranquille pour faire un dernier épisode proprement. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très bientôt pour ce qui sera probablement le dernier épisode de God of War 3. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!